Étonnamment, moi gon parole qu'a parlé sur réseau. Moi réseau Nord-Ouest écrit un article sur ça. Me dit oh, c'est bagarre tout bon. Est-ce que me pas passion info plus tout font tweet sur ça, même quoi Junior va val partager. Entendez Pierre Espérance qui m'a dit révocation Muscadin. Bon, pas de problème. Greg, attendez. Ou qu'a toujours m'a dit révocation Muscadin. Ou qu'il doit pas remettre Muscadin. C'est logique. D'ailleurs, pas besoin de remettre tout le monde. Moi, je ne parle même. Ou pas vle, ouais. Depuis les dossiers chez Elson Sanon, peut-être son héros, m'a fait tout dans la vie. Même, m'a gagné des détails, moi, t'as fait mission méchanceté, m'a défendu, m'a dit, mais comme on connaît, rend service, mais chagrin. Ça qui arrive, c'est un pigou héros, m'a fait dans la vie. M'a pris leçon. Mais depuis le ça, m'a fait pas jamais en mime. Bon, pas besoin de amis non plus parce que me dit nous nèg ça yo gen doit lever bon matin là et puis yo répond rapport sou même dou jour tenter quoi content sou moi y a écrit mais y a tremblé et puis y a nèg saute la caillo comme ça yo tombé pap face en bas parce que gen détail ou pas rentrer et ouais ou petit bon dieu pas attaquer ou n'importe gens ou pas richement la vie une bonne semaine pour mourir et puis c'est li a bay chalet na okay. Tenez bien la société. Donc, gen tout déblosay sa kap fèt nan peyi an, monsieur que Pierre Espérance gen en pile l'autre bagay, il te ka préoccupé par ça. Apôtre Amelito, apporte là, attendez bien. Monsieur que Pierre Espérance gen pile l'autre bagay que il te ka pensé pour peyi a pour l'instant, c'est pas dossier Muscadin tap trop intéressé. Mais le koun ya m'apprend ça, Kerline Adrien, et puis m'aller dans archive, gen deux bagay qui attire attention. Relation Pierre Espérance, connexion Pierre Espérance ak Nenel Kasi. Ande, est-ce que moi me dis nous c'est pays à m'a ba un petit coup mais qui mêle mon nèg fâché ou pas vle wè mon jou rem ou comprendre ça m'dou tout de tout tête on fait anathème au nom de Jésus-Christ parce que m'dou son pays n'a ba un petit coup mais m'pa un problème que Pierre gen doit toujours exiger la révocation de Muscadin mais c'est sous qui ça Pierre basé vraiment parce que m'songe RNDDH t'es besoin ou t'es révoqué Muscadin depuis le monsieur t'es voyé aller aux poissons si pas de bonté t'es et m'bot quand même gon parle à Muscadin non là ça si pas de bonté t'es bon Dieu t'es ba en micro sur réseau social yo là organisation droits humains ça yo t'a valé Muscadin déjà. Parce que yon tout te fait zo poisson passé pour frère l'évangile avec Bible dans main. Ah, eh ben, disons. Les malgré, dit, oh, zo poisson, oui. Nèg 5 secondes, oui. N'entend des moun, n'y a pas de radio. Oh, Muscadin, n'y a fait exécution sommaire. Les bagay, tout est citoyen paisible. N'dit, oh, qui citoyen paisible? Et pas zo poisson, ça m'gon est, hein? N'en vois, moi. N'dit, c'est pas zo poisson m'gon est, hein? Les zo poisson tombé. Famille monsieur, c'est demain en l'air au marché, oui. Tellement monsieur ton poison rate pour famille, oui. On gâte race, oui. Depuis le ça m'a suivi. Le coup n'y a moins Pierre, parce que bon, m'a pas comprendre. Parce que Pierre n'a pas trop parlé sur Ariel. M'a remarqué, monsieur a parlé souvent pendant qu'on y vient là. Et ceci, c'est belle type parole qui a tombé. Généralement, il y a comme ça, n'est-ce pas? Vous comprenez ça, nous? Parce que c'est même histoire corbeau renard. Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et ça va, là, oui. Apprenez que tout flatteur vit ou dépend de celui ou celle qui l'écoute. Corbeau, renard, corbeau pas de belle bête. Vieux bête, tout l'aide, non, est passé longue bec li. Pour renard, quand j'ai un petit fromage là, ça le dit, ou belle, ou jolie, ou c'est pi belle bête qui existait dans Rajea, etc. Et puis corbeau content, li ouvert bec li bien large. Bah, fromage là tombé. Qui ça, renard l'a dit? Ou pas de jambes belle, frère, mon ami. C'est fromage là, m'te besoin. M'te cherche un jambes pour m'te forri. C'est même bagarre là, ou t'y facti garçon. C'est gazon, renard, qu'a li met, yo, eh. A vrai bicha. C'est gazoline à li met yo ye. Justement, ou passez par A plus B pour qu'a jouen racine carré. Et puis, bao, t'as l'arrivé dans 3 pi au carré. Qui donc, sou Ariel m'pas trop marqué, puis y'a trop parlé. M'baronne, kouni vini là, et puis de temps en temps, y'a ti parole la sorti. Le monsieur attaqué, li m'a dit parce que yo fait révoquer Richemont. M'baronne, si c'est pour qu'a cherche égal égo à Richemont, peut-être. Par contre, si Richemont est en mille, je ne connais pas. Par contre, si il compte dénoncer Richemont, tout, je ne connais pas. Puisque il a révoqué Richemont là, monsieur Gen a cherché une égalité, un équilibre, monsieur exigeait la révocation de Muscadin. Maintenant, moi, aller dans l'archive ça avec nous pour me comprendre plus clair. Ça, c'est Muscadin. Monsieur, il a eu des petites photos, ça, comme ça, il t'a parlé. Ça, c'est Muscadin qui l'a.
Est-ce que nous songe événement ça? Archivio la fond rale yo. Ça c'est Nenel Kassi qui là. Te gen manifestation opposition à l'époque, le fait que Nenel Kassi, je connais que bon c'est sénateur lié tchétiral, il met ni plat, Muscadin gen lettre et décidé pour te mettre en côté quelques militants qui a fait des blousailles. Et puis Nenel Kassi vit lui même comme c'est chef lié et puis comme s'il vient passer militant au derrière, il prend devant. Muscadin dit pas un problème. Sou pas vle m'arrêter militant ou mettre là, ou prend place yo. Depuis là, ça me prend Muscadin. Ouais, en vérité, depuis là, ça me damo Muscadin. Puis j'ai un bon dieu, félicitations, bon man. Eh ben, pas bon, non, mais, il pas chivio là. Si m'pa parle, on pas traiter aucun l'autre côté. Faut me aller au bout nous pour m'café nous comprendre bien. Le nenel descend là, l'ouvert cansol parce que c'est natel yé, bagay, qu'on est opposition, bagay, ceci. Yo pas qu'à arrêter militant. Nèg la fait des ordres, oui, yo pas qu'à arrêter, et oh, c'est au bagay. Muscadin dit pas un problème. Puisque m'pa qu'à arrêter militant yo, ou à prendre place yo. Yo, c'est jouer Muscadin à jouer. Muscadin marre, monsieur. Malin coup crabe, ouye pas blague, non? Gagabom, bon, gal montre nous image là, puis clé. Côté l'autre en image là, regardez bien. Et ça, avec sénateur là, sénateur, Nenel Kassi, Nenel oui là. Nenel gentil, papa. Bien gentil, Muscadin marre, à parler de meni là. Deux bras derrière, oui. Deux bras derrière, Muscadin marre, Nenel. Ouye Nenel, Nenel pape jamblie bagay ça, jusqu'à ce que le mourir entre en bataille. Nenel pape jamblie humiliation ça, jusqu'à ce que le mourir entre en bataille. Et le pape jam pardonne Muscadin pour humiliation ça. T'as dit, si Nenel t'a tourné vin la vin chef, premier nèg la fongeant là pour yon wete dans le système là, c'est Muscadin. Et la pèse qui te Muscadin jusqu'à ce qu'elle quitte terre. Comme dit Kapa jam chef encore. Eh bien, écoutez, pour qui ça me fait parallèle ça? Parce que le m'a fait émission mio, me fait étape par étape et me voulait comprendre côté me voulait aller. Mon côté me sorti, mon côté me voulait arriver. Me dit que après humiliation ça, Nenel Kassi pas jamais pardonné commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadin. Et son vérité lié parce que Muscadin était humilié monsieur en tant que parlementaire. Nenel Kassi fait plusieurs tentatives déjà. Et m'a demandé si y a pas raison ça te fait te dit bon il va supporter Ariel encore parce qu'elle fait plusieurs tentatives pour révoquer Muscadin. Il a fallu un tété au micro. Tété on the mic. Nous dit non ça va passer là. Me dit ouais là si y a volo Muscadin volo. Si c'est ma corruption Muscadin tombé. Si c'est abus monsieur a fait moun, si monsieur tombé dans viol a fait cas déjà d'appiyam sous timoun. Là mon cher Muscadin ma premier nèg qu'en face ou qu'a dénoncé comme vagabond malandrin pas utile. Mais si c'est parce que monsieur gen élément nan men, gon série de vagabond qu'a ba moun problème que nèg politique créé et puis c'est nèg ça vla le pourri ni plat. Muscadin la gay ou até pa gen nèg qu'a vinn rete Muscadin la comme ça si n'pa gon bagay vrai nous reprocher. Parce que même nèg tendez, même nèg qu'a reproché Muscadin qu'a dit révoquer là. Nèg sa ou pa jam tande ou ap dénoncer coalition gang ak facilité. Muscadin, tout parle, monsieur parle, le dou li même, ni pla la prete cimetière pour bandi, pour criminel yo, pour assassin yo. M'pa jam di, m'pa m'tande le di nèg politique, nèg justice, nèg droits humains, m'pa tande le di ça. Si tout langage monsieur se contre gang, son nèg contre monsieur bon nan gang, m'pa fin comprendre bagay sa. M'pa besse le comprendre, parce que tout, l'aide m'a parlé à Muscadin, m'a posé la question. Pourquoi, bah, monsieur, d'où, l'idou, ou est Nipla? L'après ton cimetière pour gagner. Et d'où est Nexa yo? M'a attaqué à boule rouge. M'a attaqué bandia à la hauteur de ses actes. C'est ça, m'dan de le dit. Eh bien, sou pas bandi, pour ça qu'on saute là. C'est comme quoi, y'a parlé volo mal. Et m'y vont quand même tomber plein, hein, m'y tomber criant, m'y. Bon, on pas dans volo. Qui m'aime, m'y a joué volo? M'ba comprenne bagay sa. Si m'ba volo, si yop joure volo, pourquoi ça m'fâche? M'fâche, m'estomake, ma babye, ma bougonne, oh, nek sa de m'vin la, yop joure volo. Mon ki mele m'yop joure volo, mwen m'ba volo. Eh bien, écoute, pour qualité kozet gen an pays sa, kote se nèg akzam, ka fè toute qualité de blouzay, pour sa nèg akzam fè nou la la société, pour crime nèg yo fè la, la famille des enclos a crié jusqu'à présent. Famille guerrier a crié. La famille Jean-Baptiste a crié jusqu'à présent. La famille Paddy a crié jusqu'à présent. M'pa jwenn rapport qui expliquait, qui racontait crime. Parce que, y'a un rapport pour rapport. L'on vient pour un rapport, oui, tel, tel, tel tombé, tel, tel. Ça par rapport. Ou juste,
bay on information. Yon rapport son baga qui détaillé. Ou pas rapport l'ONU, yo explique justement de A à Z. Soudim tel policier tombé, fok ou bay contexte li tombé a, comment le tombé, qui est-ce qui policier a, fon konel. Ou seulement dit, intel tombé, ça pa vle di nan yen. Faut détailler qui est-ce qui est intel. C'est ça, un rapport. La famille Dorival a crié jusqu'à présent. La famille Jean-Baptiste a crié jusqu'à présent. La famille Pétion a crié jusqu'à présent. Écoutez la société. M'a cherché des rapports qui bien détaillés. M'poko joindre ça yo jusqu'à présent. Bien détaillé. Et pas ni vin cité, non. M'a parlé de rapports en détail sur des crimes de sang. Ça veut dire que tant nous prend pour n'a exiger révocation un commissaire qui lui-même anti-gang. Nous t'ai prendre tant ça pour nous faire recherche, pour nous plus connait moun qui victime yo, pour nous produire un rapport détaillé. Rapport ça pral utile la République. Est-ce que vous comprenez ça m'dou? Rapport ça pral utile la République. Parce que écoutez, si rapport pral utile la République, en utilisez-le. Tendez bien la société. L'homme fin gardé première image ça qui présentait devant et puis Muscadet qui était arrêté dans El Kassi. On a toujours fait débat que le pas de gain droit parce que c'est un parlementaire etc. que le pas de gain droit. OK, le discuter ou libérer monsieur etc. pas un problème. On dit bon me quitter ça là parce que m'a essayé chercher comprendre connexion qui gagne justement entre RNDDH et El Kassi sous dossier Muscadet. Me songer sous Briver, une qui gagne contrôle BM pas déterré Nenel Kassi, avec le fameux Patrick Noramé. Tendez bien la société. Moi songe, justement, dans le dossier PM Padlan, le fameux Patrick Noramé, c'était Timoun Nenel Kassi. Et qui est-ce qui était avocat, monsieur, à l'époque, qui t'a pral plaidé après? Coquin, okay, mesdames, c'était André Michel. Même équipe Nenel Kassi, SDP. Est-ce que nous connaissons même époque ça? RNDDH de Pierre Espérance pral fan pour qui ça nous connaît? Vin dans des archives. Et puis ça te fait à la fin me poser question. Qui est-ce monsieur exactement? Parce que, ouais, bon, dis-vous, gonseille de moun dans société, allez ou parler, me supposé prendre yo très au sérieux. Gen moun dans société, allez ou parler, m'doué dit oui et amen, lè ou parle. Parce que yo crédible dans yeux pam. Mais gen moun lè ou parle m'pa prè au sérieux parce que pas crédible. Patrick Noramé t'a dirigé BMPAD. Nenel Kassi te mette. Nè yo font paquet gagot nan BMPAD. Pendant priverté là. Pral gen en question de chèque. 1,500,000 goud qui pral dépatcha NDDH. Dans un premier temps, la société, ce fameux Pierre Espérance, tu te dis pas jam gen bagay comme ça. Dans le cadre d'une émission, je dois participer avec Stanley. Ouais, parce que le fameux Stanley Lucas m'apprenne que monsieur Gale est pas trop bien, pas jamais une nouvelle mission comme, par contre, ça le devenu. Par contre, s'il vivant, s'il l'âme, par contre, on t'a souhaité là quand même, de toute façon. Son haïtien. Attendez. Monsieur plaide la société. Monsieur dit, pas jamais une bagaille comme ça. Monsieur dit, comme CBM pas dit, dit. Et puis, laisse à monsieur gentil. Monsieur dit, comme CBM pas dit, dit. Eh ben, nous prenons l'écrit BM pas pour nous demander l'explication. Et puis, ce même Pierre Espérance, l'homme le plus crédible d'Haïti, et puis il parlait tout le monde peut. L'homme le plus crédible d'Haïti, Pierre Espérance, sur Kiskeya, Achiviola, monsieur Pral obligé, là, au coincé, monsieur a posé la question, monsieur Pral obligé retourner l'angni, parce que monsieur était tellement bien avec Liliane Pierre-Paul. Liliane, ou elle pas qu'à valer mentor ça pour monsieur tellement, parce que le défi ne valait l'avant, parce que le quoi, c'est m'dou. De monsieur parler dans le pays à tout le monde quoi. C'est seul green nèg de pou elle parle à Haïti tout le monde obéit papa. Elle a un pouvoir, parti pouvoir gè homme dou pour chef police pour choisir il faut monsieur Baymo parle papa. Sou elle pa vlon nèg chef police là. Chaque jour il a pas porter plainte bay tonton Lio là dans l'ambassade là. Il va appeler tel. Ça lui dit tendez non. Lè ou mande monsieur mais est-ce que ou te joine subvention en vrai? Est-ce que ou te joine l'argent? Bon, qui ça gagne comme un bon citoyen? Ou te joun en subvention? Organisation li mérite pour li kage subvention, faut que li existe, faut le payer employé. Parle clair, parle droit. Monsieur prend l'argent, l'Hélène Baronne, non? L'Hélène Baronne. C'est ça qui divise ou là, oui. L'Hélène Baronne, s'il prend comme là, il crase l'argent. Là, on pose la question, dit non, bah, bah, comme ça, nous parle, bah, bah, comme ça. C'est mon Thomas Bay. Côté archive, moi là. Tijon, parle avec Paya. Tijon, il y a l'archive pour peuple là. Côté Tijon. Mais Michel, Ben, fais Michel, Ben, t'es bien.
Tidjon, attendez. Hein? L'âme 18 février 2017. Attendez, obéis ya. L'âme 18 février 2017, Pierre Espérance a intervenu sur radio Énergie de Boston. Monsieur presque crié dans le téléphone, non? Monsieur dit, il pas recevoir l'argent en BMPAD. Quitte le lag, quitte le roulet, Tidjon, vous payez, attendez, clair? Parler de où c'est voici mentionné mes institutions et chaque mois comparer ces voix sont bagarre qui dure on y a ça nous capable faire institution donc il m'a fait pas dit parole il y a pour recevoir 1 500 000 gouttes par mois et pas pour ce quoi non nous même ça ne c'est pas nous non même tournez encore ti John pour payer attendez nèg ici bon le droit dire moi qui fait parole tout là papa ti John tournez encore ti John c'est moi même dont ti parole. Mais problème avec Pierre, non? Mais pour qualité dossier de gagner un pays, ça. Gang fin pour un pays. Bon, on y a l'eau chaud pour y révoquer Muscadet. Pour faire gang y'a l'touille en bas. Gang pas vle ou en aigle là. Va le bagage dans pays, ça, pour régler. Qu'on y a pas ouais, sorgue pour régler. Oui, faut révoquer Muscadet. Bon, qui ça le fait même? Ou dans l'ouest, n'est-ce pas dans l'IP? Bon, qui ça mouche fort même? Qui, comment le faire déranger là? Attendez bien. Bon, réponds-moi une question, ça, Pierre. Nan qui ça? Muscadin dérange là. On t'a rien mon dit ça. Nan qui ça dérange, c'est on pas comprendre bail ça. Monsieur Dou, ni pla breton cimetière pour les bandits. Bon, pour être ça moi j'ai demandé révoquer les ben ou faire suspect mon cher. Ça c'est on pas fin comprendre. Sou pas bandit ou pas bandit ou pas dans association malfaite. C'est bandit il pas vle ouais, c'est l'île, c'est bandit il dit pas passer dans nip. Mon soga nèg là là. Et mon cher, a dit ouais. Kounya, ou pas ka, faut me raler ti archives ça pour montrer que contrairement à Jean Mounio pour en payer pour parler c'est amen. Moi on pas prendre comme ça. On pas prendre comme ça. La gueule encore ti John. Là moi 18 février 2017, nous sur radio Énergie dans Boston. En entendez le pays. Mais écrit pour nous là, il fait screenshot avec le pays. Attendez ça. Archivio là, faut travail. Là on parle de où c'est voici mentionné mes institutions. Et chaque mois, et comparer ces bois, son bagage qui dure. On y a ça nous capable faire. Donc, on va écrire quoi là, pour recevoir 1 500 000 gouttes par mois, et va vous recevoir quoi? Non, c'est pas nous-mêmes. Non, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous. Non, même si c'est comme ça, clair. Il faut qu'on connaisse qui est-ce qui fait 1 500 000 gouttes sous rubrique RNDDHA. Oui, mais c'est ça, mais nous, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Écoutez, c'est ça. C'est ça. Comme yo dit, c'est BM. Ah ben, nous écrit BM pas. Côté lettre là. C'est ça, nous fait, oui. C'est écrit, nous écrit. Et puis, avec Là, ouais. Des fois, il y a un mental, il y a un bégué facile, ouais, bah. Kounia, nous changeons de date. Nous venons dans 3 avril. Ou en sorti dans février, mars, avril. Tenez bien, oui. 18 février 2017, monsieur dit sur Radio Énergie dans Boston, il va recevoir l'argent. Kounia, là-bas, elle apprend réseau social, ou qu'on est. Je veux dire à la réseau social, c'est un pouvoir réseau. C'est ou même qu'a bêtise avec réseau. Mon réseau, son pouvoir lié. Écoutez, et puis, regardez sur l'écran dans ce qui écrit là. Faut avec nous tout dans live là, oui. C'est ma travail pour vous. Faut me serrer à chiffre ça pour pays. Pour petit nèg yo tande. Vous comprenez ça, m'dou. Même si nous pas là encore, fourmi à porte nouvelle, bah nous côté n'y a. 3 avril 2017, qui donc? Février, mars, avril, environ 2 mois, bon, moi. 18 février, 18 mars, ça fait un mois, 18 avril, ça fait 2 mois. Il peut même arriver 2 mois. Ça dit un mois seulement avec 3 jours. Un mois, 3 jours. Non, un mois, quelques jours. Il peut qu'on finisse 2 mois. Disons, moins de 2 mois plus tard, ce même Pierre Espérance, l'homme le plus crédible d'Haïti, monsieur Pral déparler ce qui se Pierre Espérance, monsieur Pral confirmé sur Radio Kiskeya, l'été recevoir un chèque de 1 500 000. Pourquoi c'est good? Pas dollar lié, non, un BMPAD. Non, pas quoi, un million good. Et pas quoi, dollar, pas quoi, dollar. Pourquoi c'est good lié? Non, même pas quoi, regardez. Monsieur Pral, attendez, oui. 18 février. Ah, on est qui gagne le dimtité? Ah, mon cher, mentor, ben, vous faites monter live là, mon cher. Kounia, dimti John Tunnel pour vous, mon cher. Son père n'a pas un petit goût, mais 18 février 2017, sous Radio Énergie dans Boston, monsieur presque crié, monsieur presque cementé, il va recevoir un piastre dans BMBAD. Entendez. Voici mentionné mes institutions. Et chaque mois, et comparer ces bois, son bagage qui dure. On y a ça, nous capable de faire. Institution, nous écrit. Donc, on va écrire quoi, là, pour recevoir 1 500 000 gouttes par mois, et va recevoir quoi? Non, c'est pas
Non, c'est pas nous même Sanlé, c'est pas nous. C'est pas non, même nous comme ça clair. Parce qu'il faut nous connaître qui est qui fait 1 500 000 sous rubrique NDDHA. Oui, oui, mais c'est ça, mais nous c'est pas nous même. Ou écoutez, écoutez, c'est ça. Okounia, comme yo dit c'est BM. Ah ben, nous écrit BM pas. C'est ça nous fait oui. C'est écrit nous écrit lui. Et puis avec et puis plaque la colle. Kounia, nous avancé 3 avril 2017, nous quitté Boston, descend Haïti, nous sous Kiskeya. Mais ça passe le dossier qui concerne RLDDH, BMPAD, question chèque qui se passe 1 million de gourdes qui tabay. Fondement accusation ça. Est-ce que RLDDH te recevoir l'argent effectivement dans mes BMPAD, monsieur Pierre? Faut que moi dit où le nous tant des informations ça cap circulé c'est depuis mi-février côté que des monde qui postait sur page Facebook yo depuis 20 mois RNDDH a recevoir 1 500 000 gourdes. Nous information ça ça a étonné nous mais ça nous connaît ça me capable dit statut RNDDH autoriser RNDDH pour chercher fonds qui capable financer activité lio sous des financements ça capable venir plusieurs côtés capable chercher cob dans mes non gouvernemental lio dans mes membres RNDDH dans mes institutions nationales internationales oui dans fin année 2016 là RNDDH te joint une subvention dans mes BMPAD tourne la quotidien tourne la quotidien non nous pas tant de bien nous pas tant de bien tourne encore est-ce qu'elle dit oui là attendez allô dans mes membres RNDDH dans mes institutions nationales internationales oui dans fin année 2016 là RNDDH te joint une subvention dans mes BMPAD comme nous même nous pas recevoir subvention dans mes BMPAD oui dans fin année 2016 là, RNDDH te joint une subvention dans mes BMPAD. RNDDH, on a fait de chèque BMPAD. Salut Lili. Il confirme que RNDDH te bénéficie de subvention ça. Pas un problème. Qui t'a le marché? Mais je pose 4 questions là. Répondez pour moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas citer. Non? Ou même qui sur Facebook là, YouTube, il y a 4 questions posées là. Mais sur l'écran, choisis réponse qui bon là. Ou faire quoi la réponse là? M'bap di yo sou radio. Ça le dit, bon m'dou un petit parole. Moi même, bon m'dou. M'konne nèg ici pa vle wèm déjà. M'konne pa vle wèm. Et ça te fait m'pouy da nèg ici tout papa. Vous comprenez? M'pouy da nèg ici parce que m'konne ou pa vle wèm. Mais monsieur, bon m'dou un petit parole. M'pas sûr que n'ka fait tout moun peur dans pays ya. M'pas quoi ça? M'pas sûr que n'ka fait tout moun parti tout qui te pays ya. Ou pas ka comme si, jodi a la, ou tellement son nèg qui crédible, qui honnête, qui sérieux. Et puis, ça seulement rêvé, faut qu'il révoque Muscadet. Bon, qui ça Muscadet vaut? C'est tellement même où son nèg sérieux, ou pas dans corruption, ou pas dans bail menti, ou pas dans voleur à faire moun, ou pas dans un sénèg qui plus correct dans le pays, là, marché, vous comprenez ça, m'dou? Et puis, de vous parler vrai moun peur, ou dans toutes médias, dans toute la presse, y'a bon parler sauf ici, ya. Ici, y'a choix mieux, y'a mesuré. M'ba pas la n'importe mon dans espace moi ouais ti espace moi c'est moi peuple allié vous comprenez donc moi gon police qui crime là qui dans bim monsieur dit ou faire dessus parce que m'ba dans dossier comme si m'gon aller voler avec dans affaire terre ou pas policier et pour ou aller voler terre moun dans sodo pour qu'on m'ba dénoncer ou a bien tant qu'on est agent BLTS ou a bien tant qu'on est ah ben alma ressources soit nèg là cap sécuriser nèg cap voler terre moun ou a connait m'ba dénoncer ou a bien tant qu'on est m'ba zanmi nèg non ici papa de bien nèg qui pas faire affaire au droit m'ba zanmi yo. Et d'ailleurs, bon, ça n'est utile, moi, tout. Bon, qui m'a l'aime ou dessus? Qui m'a l'aime? Ça n'est pas utile, moi, là, rien! Ou juste attendre m'a parlé? Et puis, c'est tout. Depuis, y'a dénoncé vagabond ici, n'est fâché. Qu'on y a nèg, ça, y'a pensé, y'a pas tout le monde leçon dans le pays, ça. Non, négatif! Négatif! Qui donc? Moi, m'a pas un problème, non? On est 4, j'ai un problème. Avec Muscadet. M'a un problème avec ça. Monsieur Fampil bagay m'a mon carreau proche. Mais Pierre Espérance pas nèg qui plus crédible qu'a demandé révocation Muscadet, m'clair sous ça. Ok? M'clair sous ça m'dou là. Ça a dit Pierre pas nèg qui plus crédible dans société ya. Bon, en sérieux. Kodi Boscolo dit en sérieux. Koti sal pat ka di lèlè nan là. Koti sal pat ka di Mario Lengil. Bon, lèlè nous connaît. Et nèg yo ba non ti subvention là, etc. C'est parce que je voulais faire tout l'argent pour côté pour moun nan bureau pa konnen. Ou pas ka sérieux mon cher. Kounya wa avidité tout et un DDH de patcha, kounya lèlè nan danger calé, ou comprendre ça m'dou? Ou pas ka faire ça? Mon a dit me retirer ça mais choisi ou choisi mon cher. Bon tout de lettre encore pour me finir avec dossier ça. Qui donc Pierre? Mon cher, parlez bon cause, OK?
ou pas nèg ki pi honnête dans société a pour penser qu'a faire moun moral faire moun peur et ça va bien comme ça. Quitter le net roulé pour me passer dans l'autre dossier dans pays a. Là on parle de recevoir subvention institution et chaque mois et comparer ses bras, son bagage qui dure. On y a ça, nous capables de faire. C'est des choses, nous écrire. Donc, on va écrire quoi, là, il y a pour recevoir 1 500 000 gouttes par mois, il va vous recevoir quoi. Non, c'est pas nous-mêmes, Sandley. C'est pas nous. C'est pas non, même nous, c'est comme ça, clair. C'est-à-dire, il faut qu'on ait qui est-ce qui fait 1 500 000 gouttes sous rubrique NDDHA. Oui, oui, mais c'est ça, moi, nous, c'est pas nous-mêmes. On va voir, écoutez, c'est ça. On y a. Comme yo dit BM, ah ben nous écrit BM pas, c'est ça nous fait oui, c'est écrit nous écrit et puis avec et vous allez là-bas mentor, vous plaidez ou pas? Un dossier qui concerne RNDDH, BMPAD, question chèque, plus passé 1 million goud qui tabaye. Fondement accusation ça, est-ce que RNDDH te recevoir l'argent effectivement dans mes BMPAD, monsieur Pierre? Faut que moi dis où, nous avons des informations ça, cap circulé, c'est depuis mi-février, côté que, il y a des monde qui postaient sur page Facebook, yo, depuis 20 mois, RNDDH a recevoir 1 500 000 goud. Nous avons information ça, ça a été étonné, non? Mais ça, nous connaissons, ça nous capable de dire. Statut RNDDH, autoriser RNDDH pour chercher fonds pour lui capable financer activité lio source de financement ça capable venir plusieurs côtés capable chercher cob dans main non gouvernemental lio dans main membre RNDDH dans main institution nationale internationale oui dans fin année 2016 là RNDDH te joint contre son pas distant lié avant et BMPAD même nous pas recevoir situation dans mes BMPAD. Oui, dans la fin de 2016 là, RNDDH te joint une subvention dans mes BMPAD. RNDDH on a fait de chèque BMPAD, lui confirmer que RNDDH t'a te bénéficié subvention ça. Aïe, non pas vague. M'quitte ça oui, m'quitte ça. M'quitte ça oui, pas de problème non, quitter le marché. Eh ben monsieur, paye pour nous faire ça nous plaît. Vous avez dit que c'était un gagnon, oui. Mais il te dit le pas jamais. Attendez, oui. Gagnon, oui. S'il te dit non, Stanley, oui, nous recevons un t-shirt, un t-barre, pour un seul mois. Nous ne recevons pas pendant 20 mois. Et bon, il me dit 20 mois. Je ne sais pas quoi, une fois que tu as partagé, tu dis 20 mois non plus. Bon, tu dis 20 mois. Il a dit, bon, nous ne recevons pas pendant 20 mois, et pour un seul mois seulement, au t-barre, non, un t-barre. Mais monsieur dit le pas jamais. Pas jamais, vous dire ça, vous dire. Pas jamais. Jamais, never, nunca, por favor, nunca, nunca, mi amor. Monsieur, attendez, pour nous quitter le pays arrivé dans l'État, ça, et moi, Gary Koné, vin là, je pense que monsieur, tu as venu avec un bail nouveau pour t'aider le pays. Même beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais, parce que moi, bail différent. Cependant, toute action, ça n'a pas gardé là, c'est gang qui cause yo, c'est yo même, fait des beaux-arts, yo, entre dans la faculté. Rentrer dans l'école, etc., tirer, ce professeur blessé, tout bagay, n'a pas plusieurs l'école, professeur prend balle, bon, trois verres, on a parlé avec un madame professeur, côté que le mourit Cuba, et gagné des matchs qui t'a fait pour Timonio River joindre, jusqu'à présent, bah, on va finir, ok, que m'da souhaité l'État faciliter Timonio quand même, parce que pays a eu vivre un stress, parce qu'on Timon qui perd du papa, qui a l'enseigné, pas dans le rôle, et pas dans le monde, il faut bien près dans la salle de classe que le recevons cartouche. Au moins l'État te ka aider Timon, yo facilite que yo aller Cuba pour yo au moins respirer. OK. Maintenant, Gary Koné, monsieur rivé dans l'honneur. On pensait que Gary t'a pral fait mieux, mais intervention Gary Koné fait sous RFI, on pensait Gary Koné pour qu'on comprenne rien à rien. Leslie Voltaire te fait même déclaration ça. Le ça, on t'a dénoncé Leslie Voltaire parce que à mon avis, c'est une déclaration qui t'est allée à la portée des gangs armés. Qui t'est plus basé ça, on a regardé là cette image Gary Koné qui fait plusieurs rencontres, plusieurs visites. Ici aux États-Unis, moun qui vient participer, etc., dans le Conseil de sécurité, l'ONU, qui a discuté, dont est là, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ou ministre Manigala en mode bodyguard de Gary Koné, pas un problème, son pays difficile. Maintenant, écoutez, pendant que Gary Koné a parlé sur RFI, monsieur précisait que ses forces de l'ordre haïtien, on a parlé de la PNH, l'armée, parce que pour la première fois, nouveau ministre de défense qu'il a, Lichita parlé avec ambassadeur américain, côté, il a discuté sous affaire l'armée d'Haïti.
Ça, c'est un bon point de toute façon parce que vous connaissez que Mounsa n'a pas de jambes vle la mer. Mais je dis, il y a un ministre de défense là qui est nouvellement nommé là. Eh bien, M. Chita parlé avec nouvel ambassadeur américain qui en Haïti. Côté, dans mi temps discussion, les affaires sécurité à débattre et surtout, les affaires l'armée d'Haïti, comment être capable de collaborer, établir un partenariat en termes de coopération pour renforcer FADH. Je pense que c'est un bon bagage. OK? En tout cas. Maintenant, pendant que M. sous RFI n'a parlé de Gary Conille, que n'a pas gardé sous écran nous, M. dit que, M. précisé que, même Jean, les Steve Voltaire te dit là, M. a parlé sous France 24, parce que n'a pas l'impression, depuis a parlé avec la France, il a dit ça ou vle. Ça dit, gué parole, il a pas jamais dit en Haïti facile, kou yo en deux, au pays, il a pas là, un journaliste étranger, il a dit ça ou vle, c'est comme quoi, haïtien pas comprendre, il a pas tendé yo. Eh ben, gué de, ouais, je dis, n'importe langue ou parler haïtien qu'attendé, parce que gué moyen technologique pour ça. On a un petit jeune là qui développe mon application qui relève le langage que me suggère que nous téléchargeons le langage là parce que moi dit ouais Will qui a parlé de lui mal checké le moi l'intéressant. Lors dit moi s'il pas bon, il doit faire erreur jusqu'à ce que joigne nous, il faut attendre ou répéter etc. le baoul en créole en langue ou besoin. C'est-à-dire, quel que soit la langue ou parler, nous, quand je n'ai pas, Google existait pour ça. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que quand vous quittez Haïti ou bien quand vous parlez à un journaliste étranger, vous mettez en tête les Haïtiens qui Haïti pas attendre. Mais oubliez si Haïtiens ont été qui l'a cap décortiqué pour vous. Carrément, monsieur dit que force qui vient là, force étrangère qui vient, ou bien qui commence à venir, parce que pas tout ça, nous, il y a quelqu'un qui vient. Parce que c'est environ 2500, quoi, vous êtes supposé. Ce n'est pas force ça qui peut l'attaquer bandi yo. Ça, monsieur dit, il y a un sens, oui, mais elle pas nécessaire. Il y a parole ou dit qui t'apparaît bon, mais qui pas nécessaire. Attention, hein. Il y a un pile bagay ou fait qui bon, mais qui pas nécessaire. Je souhaite comprendre ça, me l'a dit. Ça veut dire que, monsieur, il y a un temps précisé avec patron lio, yon nan patron lio, sous RFI, parce que c'est trois patrons qui ont mené nous là. Les États-Unis, le Canada, la France. OK? C'est trois gros patrons ça qui ont mené Haïti. Ouais, Jean Campé droite devant patron. Donc c'est patron, c'est ça c'est premier patron là. Anthony Blinken qui là. C'est comme quoi c'est Biden qui en face de la clé. Donc c'est trois patrons ça yo, les États-Unis, le Canada, la France, c'est trois patrons qui mené. Gen yon influenceuse, un journaliste africaine qui relé yo et la Trinité maléfique. M'te parlé avec yo fois, me souhaité que fon faut parler avec l'autre fois oui et cette dame africaine que vraiment apprécié qualité intervention lio. Tendez bien. Donc monsieur précisé pour RFI que c'est pas force étrangère là qui pral attaquer gang yo, c'est la police avec l'armée qui pral goumen contre bandi yo. Monsieur continue pour le dire, mission hein, qui donc force étrangère là, mission principale li c'est accompagner PNH là dans cadre opération k'ap mené yo. Et ensuite reprend contrôle territoire te perdu yo. Territoire qui en bas contrôle gang yo. Mais c'est la police nationale d'Haïti ak FADH qui pral goumen contre bandi yo. Ça veut dire la police ak FADH a bataille pour récupérer territoire et puis les récupérer yo kou ni a force étrangère la pral vini di OK la police ou fin prend zone ça mon m'a tout rete là dedans pour ne pas retourner encore. Son pays difficile papa. Mais il y a difficile. Effectivement, nous te dit ça d'ailleurs. Puisque la police c'est eux même qui compte terrain. Il y a toujours dans opération yo accompagner force étrangère yo. Même sûr que force là gagne plus bon matériel parce que la police. Si la police te gagne moyen force là te gagne pas besoin yo. Si yo vin là pour quantité millions parce que qui ça qui passé? Tout ça qu'a fait là, c'est pour la protection de ces étrangers parce que si un soldat étranger là mouri cette gare connait à chaud. Li plus facile pour monsieur là, plusieurs militaires haïtiens tombés, plusieurs policiers tombés, ça pas dit rien comme toujours. Qu'un soldat étranger et peut-être c'est ça l'a évité tout. Alors que sous ton haïtien en homme, il y a des questions tu as toujours évité ou bien ou tu as toujours de manière diplomatique alors qu'on connaît en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'on plaît de répéter, répéter, répéter. C'est comme quoi dit bandi, oh ben monsieur relax, on va pas se paniquer. C'est même policier n'est habitué avec eux, ou qu'on a un pile là de ses amis nous yoye, qui n'a gang avec nous, il s'est antenne yoye, d'ailleurs c'est un pi gros drame qui n'a police là, policier qui n'a gang. C'est un pi gros drame qui n'a la police là. Y'a des policiers en parle avec qui presque crié, qui a dit m'tete, pi gros drame nous gen là, c'est des policiers qui a ven, qui n'a blindé avec et qui s'est antenne bandit. M'bap, j'aime policier, papa.
da policier ou maon pour nan même pour non blinde avec pour me gain élément gain évidence nan même que le bandit pour le rester vivant négatif mon cher pas comme ça gon nèg là yo vide à terre grossier c'est monsieur qui a porté manger pour policier oui chéri là Alain c'est monsieur qui a porté manger pour policier oui et puis gain 2-3 policiers bah vous avez dit qu'il y a une unité qui suspecte que monsieur pas fin bon monde parce que il y a des vidéos bandits on bandit pas sérieux grâce il y a des vidéos trivé dans bandits policier a questionné qui côté image ça passé côté le sorti même mon vieux spaghetti policier a mangé dans base monsieur filmé le livre by bandits oui tenez bien même mon vieux spaghetti policier a mangé graissier monsieur filmé livoyel by bandio et c'est ça que faut bandio attaque graissier avant hier oui c'est monsieur qui dit nèg yo mais policier là ou déplacé yo fait tel bagarre fait tel bagarre c'est monsieur qui a balayé au contrôle oui alors que la manja policier là en da oui c'est lui même qui est-ce qu'on voit comment pays fragile papa m'dou qu'on y a vinn pour dedans. Même nèg avec écrit dans téléphone Bouida, c'est tellement de mauvais sang, de mauvais jeu, Bouida avec yo. Yo tout gen ti ba yo ap défendre. On nèg policier nan ou nan volontaire moun. Ou pa bon moun et puis kouyo dénonce ou fâché. C'est pas des droit fait. Gon commissaire police non zone ou pas respecter le, ça fait pour ap fait. Nous pas gen bureau, nous arrêter moun, nous kembel nan men nou. Nous pas voyer le bail commissaire police dans zone nan. Ça commence à reler. Son pays difficile. Ouais, Haïti pas fils, pas facile du tout non. Monsieur ak policier yo, c'est lui monsieur Kalch a porté manger au policier yo. Alors que c'est antenne bout de balle, c'est antenne petit bébé bougoy. C'est là qu'il y a 2-3 policiers qui disent, vous comprenez? Et puis, ils prennent monsieur pendant la mission. L'autre policier dit, non, monsieur, pas fait mission, il n'y a pas nos liens, ça a été allé avec nous, c'est nous. Il dit, nous avons été en train. Il dit, n'y a pas, check le téléphone, moi. Ouvre le téléphone, non. Il regarde, mets le téléphone, mets l'autre téléphone, monsieur. Mets tout message, monsieur. Nèg yo même dou même mon petit spaghetti, nèg yo. Mais mon vieux rêve, nèg yo pral faire en bas, monsieur, get envoyé le bail, nèg yo. Tenez bien, oui. Nagyo, n'dou, même mon vieux rêve, nagyo envie à le faire dans le commissariat, oui. Monsieur est dans 10 bouts de bas. Monsieur dit, bébé bout de bois. Ah, gon nèg là, pral font virer là, papa, dégage. Il élimine, monsieur. Monsieur était là, le bal encore. Moi, m'pap, j'aime chef. Ouais, traite là, puis fragile. Traite. Y'a des policiers là, ou connaît dans gang, oui. Et là, dit, ça qui passe, ou connaît bagay effectif. Puisque bagay effectif, nèg la protège, nèg li connaît que y'a dans gang. Haïti pas petit, non pas. Policial connaît nèg la dans gang. Mais le fait que pas gagne effectif, li quand même protéger la lorsque le connaît dans gang. Quitte ça. Eh bien, Gary connaît monsieur Guetan la gebaye là, il va de mèche là. Même Jean-Lestie Voltaire te dit, et tous les deux, c'est en France, ils parlent comme ça. Qui ça veut dire? Est-ce que son message? Cependant, avant, je vais faire un peu d'extrait dans l'intervention Gary connaît devant Conseil Sécurité de l'ONU. Mais mon bâle qui attire l'attention, c'est ce monsieur. Monsieur dit exactement ça m'a dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même années. Parce que des émissions mal retournées, m'a poué depuis qui le m'a dit parole ça. Et laissez-moi un deal, ça va être important. Monsieur est sur l'écran, mais n'exa. Et puis, bien sérieux, papa. N'exa, comme si yo ne pour yo pas faire moun. Yo a besoin de kotoye, koto kampé, yo ne pour yo pas faire moun. Monsieur Sakila, monsieur c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies. Monsieur Rele Nebenzia Vassili. Maron si me dit non le bien. Monsieur Rele Nebenzia ZYA Nebenzia Vassili. Monsieur c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies. Pendant réunion Conseil sécuritaire sur le dossier haïtien, monsieur pas mettait de l'eau dans la bouche pour le dire ça le penser. Monsieur Laguel sans filtre, monsieur dit clairement ça qu'a passé haïtien, États-Unis pas innocent là-dedans parce que toutes âmes ou bien majorité âmes qui arrive à Haïti, c'est États-Unis qui sorti. Entendez? L'homme dit ça, je pense que vous avez moins de parler. Et moins de parler, ça ne me dit pas important. Entendez, chef là, non là, représentant ici dans l'ONU, là. Entendez, monsieur. En ma qualité de représentant de la Fédération de Russie, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Conille, sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons
le cabinet des ministres ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre la préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces trois derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. Allez, est-ce que nous comprenons? N'est-ce que vous pensez que réseau social, c'est seulement qui utilise? Ou pensez que émission m'a fait là, je veux dire, c'est le mot entier qui a suivi, qui a regardé? Ou est-ce que monsieur dit? Monsieur dit que, lui qui a constaté sur réseau social, des criminels armés qui ont exhibé quantité d'âmes, gros âmes, la guerre, au gagné. Je dis ça. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais tout n'est pas ça, John. Tendez bien. Je dis bien sûr et selon information qui partagée, zam de guerre sa yo, chef de gang yo a exhibé a fait ouais sur réseau social yo. C'est États-Unis au sorti en particulier sous côte Floride là. Et ça pas nouvelle, hein? Pour les fans de Ticozé, ça pas nous, ça pas nouvelle parce que pour nouvelle faut que les nouvelles. Nous relé ça ici à des chiens écras, des chiens écrasés. Ça pas nouvelle pour nous. Mais les nouvelles parce que c'est la Russie qui finalement crache en vérité dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Attention, hein? Suivez mon regard. Quittez le roulet, Tidion. Ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Plus de 500 000 armes. Je songeais Michel-Ange de Yon lorsque monsieur était directeur général pour l'Islande, dans le cadre de un bilan que tu as présenté, monsieur a prononcé son discours au niveau du Sénat de la République, monsieur dit que dans l'époque ça, tu as plus passé 300 000 ou plus passé 400 000 armes qui sont en circulation. Et là, monsieur t'a dit ça, représentant Russie a dit 500 000. Monsieur, que nous presque nos millions d'armes actuellement qui sont en circulation. Et parce que les armes qui sont là, qui fait paraître, pendant que les pays là, a fonctionné là, nous avons recevoir les armes là, oui, presque chaque jour. Son pays difficile, tout bon, Haïti, papa. Bon, pas couper les gars, bon, quitter chef là, parler, pour le parler avec Blanc. C'est là, monsieur a parlé là, dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Gros parole. Au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays.
le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquer sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilité en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BINU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ses priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée et nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. J'aimerais maintenant faire une intervention. Ok, qui ça n'a besoin d'entendre encore? Écoutez, qui ça n'a besoin d'entendre encore? Pas un problème. Parce que nous clair, représentant permanent la Russie dans l'ONU, la Fédération Russie, je suis clairement dit que li mal comprendre pour gagner tout déblosage ça plus passer 500 000 armes de guerre qui en circulation en Haïti alors que les États-Unis c'est un premier pays qui pichot devant ban pour que gagner force multinationale qui débarque en Haïti. Alors que la société, écoutez, et qui s'est passé là, c'est que je dis, mais toutes les âmes que n'a pas les côté au sorti, c'est les États-Unis au sorti, en particulier dans Floride là. Je dis, si au sorti là, dans Floride là, pas de nécessité justement pour nous même à déployer force militaire sur le pays d'Haïti. Je dis, alors que Haïti a un embargo d'âmes sous lui, si il y a un embargo, je dis, mais qui s'est embargo, ça veut dire, qui ça l'utile, parce que il y a un embargo sur Haïti pour les âmes pas rentrer, alors que les âmes pas rentrer chaque jour illégalement. Comme si légalement il y a un embargo pour les âmes pas rentrer. Quel contraste. Légalement, il y a un embargo pour les âmes pas rentrer en Haïti. Alors que illégalement, ils ont rentré chaque jour dans le pays. Son monde difficile, papa. Côté Gary Kone, monsieur parlait, ben moi, ça le dit le même. Monsieur, il parlait, bon, ouais, j'attends un petit calme pour le discours. Sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, Monsieur Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis, et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nemanzia,
pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente assurée par la République de Corée pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et de nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels.
Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique, car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance à cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global, intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes. Avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% des emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur les chocs politiques haïtiens. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil,
il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui, du coup, fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie, de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale, chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises. Bon, disco à long en pile. Donc ouais, c'est presque 20 minutes. Monsieur que monsieur dit l'essentiel que n'était supposé attendre. Monsieur a abordé question insécurité alimentaire, question nèg exam cap factualité. Monsieur dit que dans disco donc qu'il prend le travail avec force multinationale du concert à la PNH ou bien force l'ordre haïtien yo pour capable reprendre contrôle territoire qui perd yo qui en bas contrôle gang yo etc. Donc c'est un résumé ça monsieur parlé dans première partie discours ça mais gen un bagay qui attire attention que me pas souligner tout à l'heure toujours pendant Gary Koni a parlé de nèg exam qui prend bon parti dans pays qui a contrôlé etc. Et puis monsieur sous RFI monsieur pas écarté possibilité pour encore négocier avec les gangs armés. Attention hein, parce que dans intervention monsieur fait hein, sous RFI encore une fois monsieur pas écarté possibilité pour les négocier à gagner. Toutefois bon, selon ça il dit lui poser des conditions. Bon, et ça m'on dit. Je dis le poser condition. Condition, c'est que faut que mette les armes à terre, etc. Et puis respecter l'autorité de l'État. Mais c'est même pas ça, monsieur, t'ai dit, lorsqu'un journaliste t'a posé la question, sous affaire pour le boucaner déjà. Ça veut dire, c'est comme quoi, monsieur quitte fenêtre ça l'ouvrit, fenêtre pour le négocier à criminel, yo. Bon, m'dou, Gary Koni. Peut-être. Et ça te fait un nègre tant que, Pierre Espérance apprend devant là, etc. Et puis, qu'a demandé révocation, Muscadin, bah, ça, ok. Par contre, mais, m'vle société à comprendre. Parce que, ouais, t'as l'heure, gen mon gars, doit penser que, m'pas gagné de personnel avec Pierre Espérance. M'juste pas d'accord avec agissement, monsieur, dans une série de dossiers. Un pour exemple. M'songe, pendant que qu'on y a parlé de ça, et puis m'a pensé à ça tout pendant que t'as parlé de Pierre Espérance, par exemple. M'songe, dans un paquet de mesures qui t'a tenté prendre pour te freiner action gang yo, qui peut quand même arriver dans niveau ça à l'époque. Comment, Zamian, Luc Mandelil, t'es ministre justice. Je l'ai pris une décision pour te bloquer bicentenaire, pour te empêcher circulation faite là-dedans. Je te baille 72 heures pour tout innocent quitter village. Nous sommes baille ça? Est-ce que nous sommes baille ça? Yves Josy Sirius Muscadin. Merci, hein. Elena Celi. Attendez. Est-ce que nous sommes ça? Evelyne Sajou. Elsie Victor. Je te baille 72 heures pour tout citoyen paisible quitter village. Parce que la police pral mobiliser pour attaquer village. Premier nèg qui relè au scandale, c'est de Pierre Espérance. Oh, mais tu te gars, il est innocent dans village de Dieu, parce que si cela, premier nèg qui est en relè, qui est en attaqué Luc Mandelil, pour pas entrer dans la question ça, c'est de Pierre Espérance. Bon, pas de trois problèmes, non, parce que c'est défenseur de droits humains, tu gars, humain, c'est protéger tout le monde. Mais, on me dit un petit bagaille. M'obligé tourner sur ça, m'obligé faire les. Est-ce que défenseur droits humains yo réfléchi parce que moi yo sensible en pile pour yo pas attaquer quartier yo parce que yo dit oui, y a bien dommage etc. comme si yo sensible. Bon parler à ni Pierre Espérance, ni Gary Koni. Gary Koni, ou même qui dit qu'on pral négocier avec ces voyous, ces criminels dans le sens que oui ou seule façon déposer armes ou connaît ou pas déposer armes ou dit oui déposer des armes et puis faut respecter autorité de l'État. Qui autorité de l'État? Talep, qui autorité de l'État va parler? On dit on font poste sur Vinicius qui c'est joueur brésilien là. On senti dans l'équipe Brésil là yo pas bail Vini respect que le méritait. Mais attention, c'est pas bail pour bail Vini respect. Rodrigo avec Vinicius comme deux superstars dans l'équipe là, il y a travail pour yo même. Yo force moun yo ba yo respect que yo mérité. Même si Neymar m'gè pour le monsieur parce que monsieur fait trop cinéma, mais le rete yon de meilleur buteur brésilien.
c'est un pib, c'est un meilleur but au Brésil. Cela dire respect au tebay Neymar et pas comme si parce que oui Neymar jeune Jean le petit garçon au Balil. Non, monsieur te travaille dans l'époque pour te bal respect. Ronaldo travaille au bal respect. Ronaldinho travaille, Rubinho, yo te travaille pour respect. Ça dit gain respect au besoin, c'est travail au travail pour lui. Comment on peut respecter l'autorité de l'État lorsque l'État pas existé? Seul moyen pour entrer à faire assainissement dans ghetto, il faut d'accord négocier. Suspendre grand monde pour des canards sauvages, pour des cons, pour des idiots, pour des imbéciles. Suspendre parce que, écoutez, seul moyen Gary Conille pour descendre, pour aller faire assainissement dans ghetto, il faut ou d'accord négocier à gagner. Ça dit pas venir parler français, etc. Ou comprendre? Oui, caca, monsieur travaille pour respect, joueur brésilien. Ok? Mais non, ça est difficile pour haïtien. Tenez bien. Ça dit, si vous pas même mettre avec bandit, yo. Faut clair dans l'intervention, mettre là. Ou dit ça deux fois déjà. Ou dit oui, etc. Comme si, parler ou parler à bandit, yo. Oui. Tendez, ou poser deux conditions. Et son minimum. D'ailleurs, pour le boucan actuellement, là, toute intervention, monsieur, et c'est ça la chercher. Son bail qui simple, monsieur, il doit dire, bon, monsieur, ok. Ou qu'on est, vin là, etc. Donc, pas les coups de balle tirés dans la zone, là. Et ça fait qu'on y aurait là. De temps en temps, la fait image pour montrer la fait sociale. La bagaille, si bon, qui te perdu, lui joigne, lui bail l'argent, pour yon ka dire la fait sociale. Son pays difficile. Tendez bien, Gary Conille. Kounye là, écoutez, ou poser deux conditions. Un, faut ou déposer les âmes. Impossible par exemple déposer les armes parce que les amis ont acheté la clé yo. Et pas où tu vas aux armes. M'baronne. Peut-être tout m'baronne. M'baronne si où tu vas, mais pas où tu vas. Ça dit, les amis, c'est l'argent qu'ils ont acheté ou bien c'est patron qui va aux donc ils ne peuvent pas déposer. Ça fait un. Deux. Ou mandé pour yo respecter l'autorité de l'État. Yo pas jamais respecter parce que nous pas autorité. Kounya, si nous voulons respecter nous comme autorité, prouver que nous sommes autorité. Aussi simple que ça. Et Kounya, pendant qu'on a prouvé que c'est autorité, et puis rappelons de ça ma plague sur l'écran dans la. Toujours songer moun sa yo. Et puis, allemand des défenseurs de droits humains yo. Combien rapports yo écrit sur moun sa yo déjà? M'a cherché m'a pas trop. Parce que, m'dou, c'est pas vin de citer non. Yon rapport son bagay qui détaillé. Qui son rapport vle dit? Par exemple, t'es gon discussion sous affaire canal là et puis finalement on ba un rapport sous canal là yo dit oui telle date nous rentre tel l'argent mais qui est-ce qui voyait tel cob mais qui ça ne dépenser là-dedans mais qui ça ne rete ça son rapport parce que pour dire un rapport faut gain détail faut expliquer par exemple sous écran dans là gain Eric Jean-Baptiste dans rapport organisation droits humains nous supposer comme si bon mon idée bon mon fiche technique de Eric Jean-Baptiste.